Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait assez beau aujourd'hui, j'espère qu'il fait aussi beau chez vous, mais c'est très agréable de retrouver cette température. Dans ce live spontané, j'aimerais vous parler d'un programme que j'ai créé, 45 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité, pour vous permettre de sortir définitivement de cet espace d'insécurité, de lutte, de survie, de pénibilité et de reprogrammer un nouvel espace de sécurité pour que vous puissiez enfin vous sentir en toute sérénité et en confiance d'exprimer votre art, votre don, votre métier librement et ainsi prendre votre place, oser briller, être au cœur de votre mission de vie. Et de cette façon-là, tout naturellement, vous allez créer la prospérité dans votre activité. Probablement, mes amis, que vous ressentez là en vous, en permanence, ce sentiment d'insécurité, malgré toutes les thérapies que vous avez mises en place, les programmes que vous êtes, dans lesquels vous vous êtes déjà inscrit. Et vous réalisez que malgré quelques transformations, la peur de manquer d'argent est quand même là. La peur de perdre de l'argent est toujours là. La peur du futur est aussi présente parce que vous vous posez la question de comment vous allez tenir dans le temps en étant aussi investi aujourd'hui et en termes de temps et d'énergie à vous consacrer à votre travail de cette manière-là. Et que vous voyez très bien que là, actuellement, c'est difficile pour vous d'avoir des bons projets, déjà qui vous permettent de gagner de l'argent, mais des projets qui vous plaisent, mais aussi c'est difficile pour vous d'avoir des clients. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas légitime aujourd'hui d'exprimer votre art, votre génie librement. Vous doutez de vous. Vous avez peur de vous lancer dans vos projets en réalité et du coup, vous avez peur du regard de l'autre. Vous avez peur du jugement de l'autre. Vous avez peur d'être vu comme nul ou ridicule dans ce que vous faites. Et donc, vous êtes complètement paralysé. Vous avez peur de vous lancer et vous rentrez dans cet engrenage de faire des formations sans fin. Ou bien aussi, vous êtes aussi dans cette dynamique où du coup vous avez peur de poser le prix juste par rapport à la qualité de ce que vous proposez. Donner de la valeur à ce que vous proposez devient compliqué pour vous. Donc vous êtes, peut-être que vous êtes dans cet espace où vous voyez bien que vous avez de la difficulté à attirer les clients à vous, à faire rentrer de l'argent et surtout à gagner l'argent que vous désirez, qui vous permet de vivre la vie que vous désirez vraiment, d'accéder à ce que vous voulez vraiment. Et probablement, et je suis certaine que vous avez déjà entamé des années de thérapie à vous réconcilier avec l'argent, à traiter les blocages par rapport à l'argent, par rapport à maman et papa dans votre passé. Peut-être que vous avez déjà fait des programmes sur l'abondance avec des pensées positives et des méditations. Et donc, vous vous êtes déjà mis à l'œuvre pour pouvoir justement vous libérer de ce sentiment d'insécurité. Et bonjour Anne, bienvenue. Et que malgré tout ce que vous avez mis en place, la lutte pour gagner de l'argent est permanente. La peur de manquer d'argent est permanente. Même si vous gagnez de l'argent, rien ne vous rassure en réalité. Vous voyez bien que vous êtes dans un engrenage où l'insécurité est présente, mais vous êtes toujours en train de courir après l'argent. Et j'aimerais vous dire une chose. Hello. Déjà de vous rassurer que d'une part, je vous comprends. C'est pas évident. Quand on voit bien qu'on a un blocage, qu'on entame une thérapie et que malgré tout, on reste enfermé, même s'il y a des transformations, on reste enfermé dans le même engrenage. Parce que moi aussi, j'ai traversé la même chose que vous. J'ai aussi entamé un long chemin de développement personnel pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce sentiment d'insécurité était permanent. J'ai fait des programmes aussi sur l'abondance et tout comme vous, malgré tout. Eh bien, la peur de manquer d'argent a toujours été là. Donc, j'ai toujours eu une vie où j'ai couru après l'argent, où j'avais une telle difficulté à rétablir la sécurité en moi
que j'ai dépensé énormément d'argent, déjà en termes de thérapie, mais aussi de temps, d'entamer tout, des méditations, des pensées positives, tout comme vous. Mais malgré tout, je me sentais paralysée. Je sentais véritablement qu'il y a quelque chose qui me retenait en arrière. Donc, c'était pas évident pour moi d'être dans ces montagnes russes émotionnelles, dans lesquelles je me sentais paralysée. Dès lors qu'on a peur de perdre de l'argent, on a peur de prendre des risques à lancer nos projets. Donc, je me sentais à la fois tiraillée parce que j'ai envie de faire mon métier que j'aime, et en même temps, il y a quelque chose qui me retenait. Donc, je passais beaucoup de temps à accueillir mes émotions pour rétablir un espace de calme pour me mettre en action à nouveau. Et il y a aussi un autre impact quand même très fort. Parce que j'avais une telle envie d'une réussite professionnelle, j'avais une telle envie de me sentir en sécurité, bien sûr, qu'il m'est été difficile d'avoir un espace disponible pour ma vie amoureuse. Et le résultat de cette mécanique de vie, on va dire, a fait que je rencontrais très souvent des hommes qui étaient indisponibles du coup, puisque je n'avais pas de disponibilité concrète pour ma vie amoureuse. Tout de moi était préoccupé à m'en sortir, en fait, à faire en sorte de rétablir une réussite professionnelle qui me tenait bel et bien à cœur. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'aime mon métier profondément. Et j'ai envie d'avoir du plaisir et de la joie de faire ce que j'aime. Mais c'est terrible quand on aime quelque chose et qu'on a. Et en même temps, l'idée aussi, c'est de se dire comment je peux faire pour gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Mais c'est terrible malgré tout d'arriver à un espace, et je ne vous le souhaite pas, de dire peut-être que ce n'est pas fait pour moi, d'être dans le doute de notre travail parce qu'il y a une telle difficulté à vivre de ce métier, qu'on finit par se faire croire que ce n'est pas fait pour nous alors que c'est faux. Et j'espère que ces quelques mots vont résonner pour vous, parce que il y a eu un moment donné où je me suis dit, stop, ça suffit en fait. Ça suffit d'être dans cet espace d'insécurité, ça suffit de lutter et de courir après l'argent. Moi aussi, j'ai droit, moi aussi, j'ai envie d'avoir accès à la prospérité illimitée, à la richesse, comme tout le monde. Et du coup, je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est l'erreur? Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que malgré tout ce que j'ai entamé en termes de thérapie, alors que je suis quelqu'un qui est très enseignable, je fais exactement tout ce qu'on me demande de faire, malgré toutes les formations aussi que j'ai mises en place, en dehors des thérapies, j'ai fait des formations pour parfaire mon art, j'ai fait des formations marketing et communication, pourquoi malgré tout je me sens dans la difficulté de gagner de l'argent? Pourquoi malgré tout l'insécurité est là et je me sens en état de survie? À partir de dès lors que je me suis posé, quand on se pose la bonne question, on a les bonnes réponses. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Là, ça a été la révélation pour moi. Parce que j'ai réalisé que l'erreur principale, écoutez bien mes amis, l'erreur principale, c'est que j'ai cherché les solutions et j'ai tenté de résoudre ce sentiment d'insécurité et de survie dans un paradigme d'insécurité et de survie dans lequel j'étais et dans lequel j'ai grandi. L'erreur principale, c'est que je n'ai pas traité le problème principal. Et le problème principal, c'était le décor dans lequel j'étais et dans lequel j'ai grandi. Je vous donne un exemple. C'est comme si, mes amis, vous grandissez dans une jungle. Et c'est là que vous êtes actuellement. D'accord? Cette jungle, c'est l'insécurité dans laquelle vous êtes, c'est un espace qui est menaçant pour vous. Et vous cherchez une solution pour pouvoir survivre dans cet espace. Vous voulez réussir, mais vous voulez réussir dans quel espace? Dans cet espace de la jungle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entamer des thérapies, vous allez trouver des solutions. Là là, comment je vais faire pour survivre justement? Comment je vais faire pour lutter contre les serpents? Comment je vais? Et à ce moment-là, il y a une réflexion qui se fait. Est-ce que je vais trouver les outils pour survivre à l'environnement dans lequel je suis, ou est-ce que je change d'environnement? Cette réflexion, elle va créer une réelle bascule dans ma vie. Et là, j'ai compris que tout va changer. Ma vie a pris un virage
Parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que pour sortir définitivement de ce sentiment d'insécurité, de cet espace d'insécurité et de survie, il fallait avant tout que je change de décor. Il fallait avant tout que je reprogramme ma matrice d'un espace de sécurité pour que la prospérité, en conséquence, puisse se vivre naturellement. Et donc, c'est là que je comprends... C'est seulement à l'instant où j'ai commencé à reprogrammer un espace de sécurité que je me suis sentie en confiance moi-même et que je me suis aussi sentie confiance par rapport à la vie et par rapport au futur. Et quand cette confiance, elle est là, on se sent serein. On se sent serein, on sent qu'on est dans une vibration qui est propice, qui est positive et on se sent davantage dans la lancée d'exprimer. Je me suis sentie vraiment libre d'exprimer mon don, d'exprimer mon art librement, de me laisser inspirer. J'ai senti vraiment qu'à cet instant-là, j'ai pris ma place en tant que coach et thérapeute dans ma spécificité, dans ce que j'avais envie d'apporter. Et puis, c'est surtout, on se sent légitime de se déployer dans le monde, de transmettre le message dans le monde. Il y a vraiment quelque chose où on arrive à voir plus grand. On a enfin l'espace de voir plus grand et d'être vraiment dans ce sentiment d'être au cœur de sa mission de vie. Je sais pourquoi j'ai vécu mon passé et je sais à quoi ça sert aujourd'hui. Et je sais ce que j'ai envie d'en faire. Et ça, ça va tout changer. Et quand on se sent au cœur de sa mission de vie, naturellement, à travers cet espace de sécurité et d'expression libre, on ose poser les prix, on ose proposer en fait nos offres, nos produits. Il y a quelque chose qui se libère tout d'un coup en fait, dans un confort et dans une réelle sérénité. Et puis tout d'un coup, naturellement, dans cette vibration-là, eh ben, j'ai attiré des opportunités, j'ai attiré des clients à moi, j'ai attiré aussi des propositions de collaboration, alors que c'est quelque chose que je rêvais tant. Et naturellement, du coup, l'argent est venu à moi. Donc aujourd'hui, mes amis, je me sens vraiment heureuse, honorée et légitime de vous transmettre aussi ce processus de transformation. Parce que si moi j'ai réussi à faire ce shift, vous aussi vous pouvez le faire. Donc si vous aussi, vous êtes dans ce stade où vous vous dites stop, ça suffit. Et que vous vous dites, moi aujourd'hui j'ai envie de sortir de cet espace d'insécurité, de lutte, de pénibilité pour gagner de l'argent et pour faire fructifier votre entreprise. Alors je pense, mes amis, que le programme 45 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité est certainement fait pour vous. Parce que ce programme va vous permettre justement de vivre cette transformation concrète et parce que ce programme est essentiellement un programme de reprogrammation et un programme d'intégration. Hello Nathalie et bienvenue! Alors comment nous allons procéder durant ce programme? Durant 45 jours, vous allez faire des exercices au quotidien pour reprogrammer justement cet espace de sécurité et ensuite pour reprogrammer les codes de la prospérité. C'est la répétition, la persistance et une attention concentrée qui va vous permettre justement d'imprimer, d'ancrer en vous et de créer cet espace de sécurité et de prospérité de manière pérenne dans le temps. L'idée en fait de ce programme, c'est surtout que les notions de sécurité et de prospérité ne soient pas tout simplement théoriques. Certainement que vous savez déjà que vous êtes digne de vivre dans la richesse absolue et dans la prospérité illimitée. Certainement qu'on vous a déjà dit que vous méritez d'être riche et prospère. Le savoir est une chose. Tout l'intérêt, c'est comment faire de cette notion qui est d'une connaissance mentale et volatile, de faire en sorte que ça devienne vôtre, que ça fasse partie de votre vie, que vous puissiez le goûter dans la matière et dans le quotidien, que vous puissiez vous réveiller le matin, il n'y a pas de questionnement à se poser, vous n'avez pas besoin de courir après la prospérité et la richesse, mais que vous aviez vraiment cette conviction profonde, c'est là, c'est une évidence que la prospérité, c'est dans votre vie, c'est fait pour vous. La question ne se posera pas.
Et d'une manière concrète et par effet miroir, vous allez voir que votre activité, elle va fonctionner aussi. Des opportunités vont venir à vous. Et c'est ça qui est le plus important. C'est le fait que vous puissiez vivre la sécurité et la prospérité dans la matière. Et coucou Émilie, Isabelle, coucou. Ce qui veut dire que, mes amis, à l'issue de ces 45 jours de reprogrammation et d'intégration, vous allez ressentir, vous vous levez le matin, vous allez ressentir véritablement que vous êtes dans un espace de sécurité, vous êtes en confiance. À l'issue de ces 45 jours, vous allez vous sentir en confiance et vous allez vivre véritablement et concrètement votre art. Il y a une dynamique, la prospérité, c'est la dynamique de votre entreprise. Vous allez produire quelque chose qui va arriver à bon port auprès de vos clients, qui en conséquence, par échange de cette transaction, de la valeur de ce que vous proposez, en échange de quoi, les personnes en face de vous vont vous donner de l'argent. C'est ça la prospérité. Donc, et justement, il y a pas mal de participants justement, qui ont participé, qui ont fait ce programme et qui témoignent justement de cette transformation qui est là. D'ailleurs, l'une parmi elles, c'est assez incroyable, parce qu'elle disait qu'elle était insomniaque de par ce sentiment d'insécurité, la peur de ne pas gagner de l'argent, le doute de est-ce que les clients vont être là, la peur de perdre de l'argent faisait que elle avait du mal à passer ses nuits. Depuis qu'elle a fait ce programme, ça y est, elle dort complètement, elle est sereine. Ses clients sont là, donc l'argent rentre. Et ça fait du bien, ça fait plaisir, véritablement. Donc, comment nous allons faire? Nous allons nous voir deux fois par semaine, ça sera le lundi et le vendredi, à la hauteur de 2 heures, chaque fois que nous allons nous voir sur Zoom. Puis je vais vous donner des exercices que vous allez appliquer au quotidien. Ces exercices vont prendre 10 minutes le matin, le midi et le soir. Donc c'est important que vous ayez envie de vous consacrer déjà ce temps-là, mais que vous ayez une vraie disponibilité pour vous occuper de vous. Il y a quand même un avantage principal dans ce programme, et c'est important pour moi de vous le dire. Parce que comme tous les programmes que je propose, ce qui compte pour moi, c'est que vous ayez des résultats. C'est quand même l'un des gages de qualité de tout ce que je propose. Donc je mets tout en œuvre aussi, toute une structure en place pour que ça soit le cas, pour que vous ayez les résultats. Ça veut dire qu'à l'instant où vous investissez dans mes programmes, vous êtes sûr que vous allez arriver à bon port. Ce pourquoi vous vous êtes inscrit, vous allez l'obtenir. Du moins, je mets tout en œuvre. Si vous êtes prêt à mettre tout en œuvre, en principe, tout va très très bien. D'accord? Donc, c'est une opération plus que gagnante pour vous. Donc, quel est l'avantage principal de ce programme? Quelle est la structure que je mets en place pour que vous puissiez avoir des résultats concrets et des transformations concrètes? La première, c'est que vous êtes dans un groupe restreint de 6 personnes. 6 personnes pour que vous puissiez avoir un accompagnement de qualité et que je puisse m'occuper de chacun de vous. Donc, on n'est pas dans un groupe collectif à plusieurs personnes, on est dans un semi-privé, donc je m'occupe de chacun de vous. Ça, c'est déjà une chose. Mais en plus de ça, en plus de ça, il y a un coaching one-to-one pour vous permettre justement d'aller un petit peu plus loin, que je puisse rentrer en immersion dans votre histoire pour déprogrammer les blocages qui sont récurrents. Et puis, vous avez un groupe WhatsApp, ça va vous permettre d'échanger au sein du groupe, mais surtout, je suis là au quotidien. Donc, en fait, c'est un accompagnement sur 45 jours parce que je suis avec vous en permanence sur le groupe WhatsApp. Vous pouvez poser la question à tous les participants des témoignages. L'une des choses qui ressort dans les qualités qu'ils apprécient dans mon accompagnement, c'est aussi ma disponibilité. Donc ma disponibilité, quelque chose que je vous mets à disposition avec grand plaisir, parce que ce qui compte, ce n'est pas tout simplement la transmission de théories et de belles phrases dans lesquelles vous vous sentez bien suite à des méditations. Non, ce qui compte, c'est que ça rentre dans la matière, que vous puissiez le retranscrire dans la matière et le vivre au quotidien. Le résultat, c'est ce qu'il y a de plus important. On est là pour ça. Si vous faites un accompagnement, c'est pour que vous puissiez avoir le résultat en retour. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on commence? On commence le 5 juin. C'est bientôt, mes amis. C'est du 5 au 21 juin. D'accord? Tout se fait sur Zoom. Donc, peu importe où vous êtes,
vous êtes les bienvenus. Et ça, c'est top. Vous avez accès à ce programme où que vous soyez dans ce monde. Vous avez des moments où vous êtes absent. C'est OK. Il y a les replays qui sont là. Tous ces contenus sont mis dans une bibliothèque ressources dans laquelle vous allez avoir votre code, et à tout moment, tout est gardé là à vie. Donc ces contenus-là, vous pourrez les revoir et les re-revoir à un moment donné quand vous auriez besoin de vous rappeler ou de revenir sur le programme. Donc c'est un contenu qui est le vôtre, qui est mis à disposition pour vous, mais surtout qui est organisé pour que ça soit écologique, confortable, intuitif. Vous avez un code, vous allez dans votre bibliothèque ressources, tout est là. Donc vous ne perdez pas les contenus. Ok, donc si vous ressentez que là, c'est le moment pour vous de sortir de cet espace d'insécurité, que vous en avez marre de faire des thérapies et que ça n'a pas fonctionné, et que là c'est urgent pour vous de passer à autre chose, parce que vous voyez bien que tout de vous est monopolisé à gagner de l'argent par rapport à cette problématique, par rapport à l'argent, par rapport à votre activité, à la réussite professionnelle, et qu'en conséquence il y a des dommages parce que vous ne pouvez pas construire votre vie amoureuse et que vous attirez toujours les mêmes profils qui ne vous correspondent pas, mes amis, si vous ressentez que c'est le moment là de sortir de cet espace d'insécurité, de survie, de lutte et de pénibilité, alors je vous invite à vous inscrire au programme 45 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité, parce que je vous promets, mes amis, que ce programme va vous littéralement vous changer la vie. Et je vous le dis parce que véritablement, c'est ce virage que ma vie a pris depuis ce moment-là. Vivre dans un espace de sécurité à vie est inestimable. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir de l'insécurité du tout, mais vous auriez le processus pour revenir dans cet espace de sécurité. Et ça, ça change tout, d'accord? Donc, le lien d'inscription et dans ma bio, dans le lien Linktree, on commence le 5 juin. C'est un petit groupe de 6 personnes. Si vous avez envie que ça soit là pour vous, là, ici et maintenant, c'est le moment. Le programme est entre vos mains. À vous de ressentir si ça fait écho pour vous. À vous de ressentir si c'est le moment pour vous. Et à vous de ressentir si cette envie d'avoir votre espace de vie amoureuse aujourd'hui et en même temps de créer un équilibre entre vie professionnelle et vie amoureuse aujourd'hui est une priorité pour vous, alors ce programme véritablement va vous être d'une grande aide, va vous permettre justement de rétablir la sécurité, la prospérité et l'ouverture pour vivre autre chose. Vous aurez l'espace pour votre vie personnelle et votre vie amoureuse. Donc, si vous avez une hésitation, vous pouvez déjà vous inscrire, réserver votre place, d'accord ? Si vous avez une hésitation, vous ne savez pas si le programme est vraiment fait pour vous, vous avez un appel diagnostic qui est offert de 30 minutes. Donc, n'hésitez pas à m'appeler et à me contacter pour qu'on puisse discuter ensemble et pour qu'on puisse voir ensemble dans quelle mesure est-ce que je peux vous aider. Voilà. Je suis très heureuse, mes amis, de vous mettre dans les mains ce programme qui, je suis persuadée, va transformer votre vie. À vous de ressentir, d'accord? Si c'est le moment pour vous. Si vous avez des questions, vous m'appelez. Ok. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous souhaite surtout de prendre soin de ce qui est cher à votre cœur, de prendre soin de vos rêves. Parce qu'on est là, vous êtes là, ici, dans cette vie, pour vivre ce que vous désirez, ce qui est cher à votre cœur. Je vous souhaite une belle après-midi et puis je vous dis à très vite ou à très bientôt de l'autre côté pour ceux qui veulent participer au programme. Et ceux qui viennent rejoindre ce replay, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit mot pour que je sache que vous êtes passé par là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.